Là où l'on c'est du vent offshore ce matin sur la Cano. Bonjour à toutes et à tous et bon lundi. On commence la journée avec un temps qui est voilé, une température extérieure qui est relevée à 24 degrés, une température de l'eau à 21-22 degrés. Cet après-midi, un temps voilé, une température à 32. La marée est actuellement en train de finir de monter. Le plein haut est à 8h45 avec des coefficients de grande marée 95. Et sur cette fin du montant, le vent est offshore avec un secteur est-sud-est. Il s'est calmé, mais il est quand même bien modéré. Il y a deux beaux forts établis, des rafales à 3. Le plan d'eau est ridé, les phases de vagues sont lisses, la houle est propre. C'est la rentrée de la houle de l'ex-ouragan Franklin. 16 secondes de période, orientée ouest-nord-ouest-ouest. Elle est propre. Elle est à la hausse sur la boue Arcachon-Gascogne à 1m50 et 8 secondes, ce qui donne en termes de taille de vague ce matin à la Cano, 50-70 cm en déferlement régulier. Et sur les scieries qu'on voit là, 1 mètre à 1m20, des vagues qui arrivent à la hauteur de la poitrine. La barre est facile à franchir. Les vagues sont moyennement sélectives à réserver pour des surfeurs intermédiaires à plus. Il y a déjà beaucoup de monde à l'eau, beaucoup de personnes qui check. Il y a des bouts à attraper. C'est moyennement facile à surfer. C'est une houle assez puissante, assez creuse avec le vent qui est offshore. Mais surtout, il y a beaucoup d'endroits où c'est la houle rentre très ouest, elle est très fermante. Et il y a quelques rares endroits où ça arrive à dérouler. Et sur ces endroits qui déroulent, il ne faut pas rater la série. Parce que quand il n'y a pas la série, il n'y a pas de vagues à surfer. Quand il y a la série, il y a 5-6 vagues qui s'enchaînent et qui sont surfables. Mais elles rentrent toutes les 4 à 5 minutes. Donc ça vaut la note de 4 sur 5. L'évolution pour le reste de la journée, c'est un train de houle qui va grossir. La boue Arcachon-Gascogne est à la hausse à 1,60 et 8 secondes. La boue Irlande est solide à 3,30 m et 11 secondes. Le vent va rester offshore à la mi-journée à la Cano, basculer au nord cet après-midi. Les prévisions à 13h, c'est 1m20m50, ou ouest-nord-ouest à ouest avec 15 secondes de période, dans est-sud-est 3-4. Et à 17h, 1m80, ou ouest-nord-ouest à ouest, 14 secondes de période, vont de nord-nord-ouest 1-2. Du surf et de l'action, favorable sur toute la journée, mais de meilleure qualité en première partie de journée avec le vent offshore. À la Cano, le prochain point, 11h.